Kémi est un barman, pas comme les autres. Écoute, mon ami, vraiment, il faut que tu sois sage. Je te promets de rester sage. Kémi est louche. Il utilise la science pour développer ses affaires. J'ai décroché mon diplôme à 22 ans seulement. Kaiwalaï. Ce qui n'est pas toujours du goût de la très superstitieuse Kinta. Aïe, elle est sérieuse avec son affaire là. Mon cher ami, toi tu ne prends pas cette affaire mystique au sérieux. Elle pense que Kémi et toi pratiquent une forme de sorcellerie. C'est Kémi là. Comment se comporte son bar? Ça marche? Balman, de l'eau, vite, 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 l'eau. Tu te moques de qui là? N'est-ce pas toi le barman? Bienvenue dans le clan de ceux qui ne comprennent pas ce que fabrique ce cher Kémi. Kolo, le voisin et ami de Kinta, très amoureux de Keshia, est gentil et souvent très naïf. Ah, voilà, on va parler pour toi. Moi, je ne panique pas là. C'est le cas du bandit qui bat. On ne peut plus s'aimer dans ce pays tranquillement. C'est quoi ça même? Quand Télu déjanté ne comprend pas très vite. Tu devrais aller acheter la boisson. Parce qu'il y a la boisson, monsieur Amana. Quand t'es chaud. Je suis pété. Allez. Et ce cher inspecteur Tim alors, un policier très, très, très spécial. Voilà. Tu vois, non, le vieux. Il est vrai que ce n'est pas lui qui a tué Wokandouba. Donc, affaire classée. Et c'est tout? Et vous le croyez sur parole? Vous vous êtes encore trompé, non? Je dis ça devant les gens. Sors de mon bureau. Retrouvez tout ce beau monde dans votre série très prochainement. Tu sais qu'il n'y a que toi qui est importante pour moi. Et ta femme. Un peu de respect. Je ne fais que rendre service. Il fallait profiter de ma copine et il fait semblant d'être gentil. Je ne bois pour toi de ça. Merci. Mais il faut qu'on signe.